Good morning, Aleiden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Amram Yona Ben Chana Pegibat Esther Nissim Ben Aouda, et aussi le Fouat Ruth Bat Claudine Traina et Arav Naftali Ben Silka Lea, et Orchar Chole Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions dans le Sechat Duyot, par exemple, Mishnah Vav, Heid Rabbi Yoshua et Rabbi Papias, Al Vlad Shel Shlamim, Sheikrav Shlamim. Rabbi Eliezer Omer, Shevlad Shlamim, Lo Yikrav Shlamim. Vachachamim Omrim, Yikrav. Amar Rabbi Papias, Ani Meid, Shaita Lanu Para, Zivche Shlamim, Vachalnuha Bapesach, Vachalnu Valda Shlamim Bechag. Mishnah qui nous rejoint dans une Maserhet Tmura, une Maserhet qui se trouve dans Seder Kochim, et on va parler de Eid Rabbi Yoshua et Rabbi Papias. Rabbi Yoshua et Rabbi Papias. Ça fait déjà deux Mishnah qu'on rencontre sur Rabbi Papias. Et ils ont témoigné tous les deux que Al Vlad Shlamim, Sheikrav Shlamim. Que un Vlad, un petit veau de Shlamim, un nouveau-né quoi, enfin Vlad d'une vache, donc si c'est une vache, un veau. Et donc, Vlad Shel Shlamim, Sheikrav Shlamim. Il y avait une mère, une vache qui était Shlamim, un corban Shlamim, et elle a mis bas un petit veau. Alors il nous enseigne que le petit veau, eh ben, il aura aussi lui aussi un statut de Shlamim, il faudra l'apporter au Beth Amikdash et en faire un corban Shlamim. Quelle est l'importance de ce témoignage? Chez Rabbi Eliezer Omer, car Rabbi Eliezer lui pense que chez Vlad Shlamim, Loïkrav Shlamim, un nouveau-né de Shlamim, on ne l'apportera pas en Korban Shlamim. Qu'est-ce qu'on en fera? On va le dire dans deux secondes. Chachamim Omrim Ikrav. Tandis que Chachamim disent qu'on pourra l'apporter. Donc eux, ils sont venus, ils ont témoigné qu'effectivement, on a le droit, il faudra l'apporter en Korban Shlamim. Et d'ailleurs, c'est là le témoignage qu'il rapporte. Amar Rabbi Papias. Sur ça, il a dit Rabbi Papias. Ani Meid, je témoigne. Shaita Lanu Paraz Ivrei Shlamim. Que nous avions, quand j'étais jeune, dans ma jeunesse. Mon père, il avait là-bas une paraz ivrei shlamim, une vache qui était un korban shlamim, va'achalnu à Pessah, et qu'on avait mangé cette vache-là à Pessah, lorsqu'on était venu à Yerushalayim, on avait apporté pour la manger, va'achalnu valda shlamim bechag, on avait ensuite consommé son petit veau en korban shlamim, bechag, à la fête d'après. Bepshuto, quand il y a marqué Chag, c'est Chag Sukkot, on expliquait pourquoi il s'agit de Chag Shavuot. Donc on a fini la Mishnah d'abord par rapport aux mots, on explique un petit peu mieux de quoi on parle. On parle donc d'un korban qui a. Donc on doit porter par exemple en korban Shlamim, c'est spécifique au Shlamim d'ailleurs, je crois. Et peut-être au Ola aussi, je sais pas. En tout cas, on parle d'un Shlamim, elle a mis bas. Eh bien, il y a une machloquette, selon la Torah, d'abord, selon la loi stricte, le petit veau aura lui aussi un statut de shlamim, il faudra l'apporter en korban shlamim, ça c'est d'après tous les avis. Et c'est justement, comme ils sont venus témoigner qu'effectivement, le din il est de la laisser sur son statut selon la Torah. Par contre, Rabbi Eliezer lui pense qu'il y a une xéra dans un cas pareil. On a un problème technique. C'est qu'on craint que Shema Yegadel Adarim, de peur qu'il va se mettre à élever des troupeaux de korbanot. Imaginez qu'on va lui permettre de garder la mère, que le petit veau, on va lui permettre de l'apporter au Beth Amikdash. Du coup, ils vont commencer les gens à se dire c'est dommage d'apporter la parade cette année, viens, on la laisse encore un petit peu, comme ça elle va nous faire des veaux, comme ça quand on reviendra l'année prochaine à Yerushalayim, elle va monter trois fois par an, à chaque régalim, tout le monde monte à Yerushalayim, on apportait là-bas des korbanot, les korbanot shlamim, korban chagiga, ola treiya, il y avait plusieurs korbanot. Donc du coup, on craint que les gens vont commencer à se mettre à élever des troupeaux entiers de korbanot. Et alors, c'est quoi le problème? Au contraire, ça fait plein de viande à Yerushalayim, c'est vrai, mais il y a un autre problème technique. C'est que lorsque j'ai une BMA de Shlamim, par exemple un Korban, alors j'ai pas le droit de l'utiliser pour travailler. Si c'est la famille des moutons, j'aurais pas le droit de les tondre pour récupérer leur laine. Or, vous imaginez bien, première génération, chacun va avoir le souci d'avoir plein de Korbanot pour monter au Beth Amikdash, comme ça on va avoir plein de viande à manger. Et puis doucement, doucement, on va se laisser un petit peu influencer par l'intérêt, l'apport, l'argent, quoi, le business. Et doucement, on va commencer à récupérer des poils par-ci, des poils par-là, et puis finalement, on va se mettre à élever des troupeaux entiers.
et se mettre à travailler avec eux avant de les amener encore au Beth Amikdash et à les tondre et à utiliser leur laine. Sur ça, selon Rabbi Eliezer, Chachamim sont venus, ils ont dit, tu sais quoi, viens, on m'interne. Tu ne manges pas le Vlad Shlamim. Interdiction, tu ne l'apportes pas en Korban. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, le Barthénora nous rapporte, Machnissin, Konso, la kippa va mettre. On le met dans une kippa et il meurt. C'est quoi une kippa? Alors bien sûr, ceux qui viennent de commencer Douyot, ils doivent apprendre qu'une kippa, c'est pas ce qu'on met sur la tête. Une kippa, c'était une maison en forme de dôme. Je sais pas pourquoi spécialement, ça s'appelle comme ça, je sais plus. Je crois qu'on avait étudié Sanhedrin, on l'avait vu, on avait même expliqué, mais en tout cas, là j'ai oublié en tout cas. En tout cas, on l'enferme dans une pièce et on la laisse mourir de faim. C'est une mort qu'on utilise parfois même pour des hommes. Et là, on l'utilise pour les corbanotes, qu'on est bloqué, qu'on ne peut pas, d'un côté, on ne peut pas les laisser paître. Ils sont trop dangereux de les laisser, de peur que quelqu'un va le prendre et va les gorger. D'un autre côté, on ne peut pas la porter en corban. Qu'est-ce qu'on fait? On l'enferme dans une pièce, on laisse mourir de faim. Et ensuite, c'est tout, on l'enterre. D'accord? Ça, c'est selon Rabbi Eliezer. Tandis que Rabbi Eliezer nous dit, non, il n'y a pas eu de guerre à faire du tout. Tout est permis, tu pourras la porter en corban, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans le témoignage de Rabbi Papias, une petite précision. Lui témoigne qu'il avait eu, que dans sa jeunesse, ils avaient eu une vache qui avait mis bas un petit veau. La vache, il l'avait apportée à Pessah pour la manger. Bien sûr, comme je vous ai dit, pendant la semaine de Chol HaMoed, il fallait amener au Beth Amikdash, on devait apporter des korbanot shlamim, des shalmei chagiga, des olat re'iya, toutes sortes de korbanot. C'est deux sortes, c'est vraiment shlamim et ola. Et les manger à Yerushalayim, ça faisait partie de la simcha, une simcha et la bebassar veyaïn, il fallait manger de la viande, il fallait boire du vin, la viande c'est la viande des shlamim justement. Et donc ils ont apporté la vache, ils l'ont mangée, et puis ils se sont bien que la fête d'après, chag après, une fête après, ils ont apporté ensuite le petit veau qui avait été, qui était né juste avant d'apporter la mère en korban. Il y a un petit problème technique maintenant, c'est sur le fait qu'il a dit Bechag. De manière générale, dans la Mishnah, on a trois fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot. Dans la Mishnah, on appelle toujours Pessah, Shavuot, on l'appelle toujours Atzeret, et Sukkot, on l'appelle toujours Chag. C'est une grande règle. Chag, c'est Sukkot, Atzeret, c'est Shavuot. Là, maintenant, il s'avère qu'il y a marqué qu'ils ont mangé la mère à Pessah, et ils ont mangé le veau à Chag. On a un problème, c'est que si tu dis que ça s'apporte à Sukkot, il faut savoir, lorsque l'on doit apporter un korban, shlamim, on a des nedarim, des nedavot à apporter, des korbanot qu'on s'est engagé qu'on allait les apporter, on a une mitzvah assez de l'apporter à la prochaine fête. Et une mitzvah lota assez de le laisser traîner plus que trois fêtes, c'est-à-dire plus qu'un cycle, dès qu'on va passer une fois à Sukkot. Il faut finir à chaque fois, à Sukkot, on finit nos devoirs de l'année. D'accord? C'est-à-dire, si par exemple, en Hadar, je décide d'apporter cette vache shlamim, je dois me dépêcher. J'ai une mitzvah tassée de partir à la prochaine fête, donc à Pessah, de partir l'égorger le plus vite possible au Beth Amikdash. Si j'ai traîné à Pessah, j'aurai de nouveau la même mitzvah de partir à Shavuot, et au pire, de partir à Sukkot. Cette Sukkot, je ne suis toujours pas parti. J'ai laissé passer les trois fêtes. Je transgresse un lave de lot et acher le shalemo. Tout ça, ça va porter dans le Barthénora. Il y a Ubata Shama, Vevetem Shama, et il y a par ça lot et acher le shalemo. D'accord, il rapporte les deux. Une mesat assez, une mesat lot assez. De ce fait, on a un problème technique dans le témoignage de Rabbi Papias. C'est que s'ils ont apporté la mère, la vache, à Pessah, comment c'est possible qu'ils ont laissé le veau traîner jusqu'à Sukkot? Ils ont transgressé une mesat assez. Ils ont dû l'apporter à Shavuot. C'est pour ça que le Barthénora va nous expliquer qu'on parle que Chag, cette fois-ci, Chag, c'est pas Chag, c'est Shavuot. Ça nous intéresse, il y a le Tiferet Israël qui propose d'expliquer qu'il s'agit que c'est effectivement Sukkot, et il faudra expliquer que le petit veau, il avait une petite maladie à l'époque de Shavuot, c'était pas possible à porter, c'est pour ça qu'ils l'ont apporté au Chag. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.